Hey, salut tout le monde, c'est Fils Mécanique, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas, moi ça va nickel. Et donc, aujourd'hui, nouvelle vidéo, et comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, je vais vous montrer, du coup, comment enlever les blocs de la warehouse dans Scrap Mécanique. Déjà, pour faire ceci, du coup, vous allez vous rendre dans les fichiers du jeu de Scrap Mécanique, de votre jeu. Du coup, comment on fait, vous allez dans Steam, vous faites clic droit, propriété, fichiers locaux et la parcourir les fichiers locaux. Donc une fois que vous avez fait ça, vous êtes totalement dans vos fichiers du coup Scrap Mécanique. Voilà. On va faire ça. Du coup là, une fois que vous êtes là, vous allez aller dans Survival. Voilà. Ensuite dans Script Game. Et là vous avez le dossier qui s'appelle Survival Game. Donc du coup les gars, ça va être très simple pour du coup faire la manipulation. Donc vous êtes dans Survival Game du coup. Donc au montage je vous ai tout mis comment faire. Donc là, là vous n'avez pas accès à toutes les commandes et tout. Donc vous pouvez pas du tout prendre les blocs de la base de base dans le jeu. Il y a, c'est bloqué quoi. Et donc là, vous allez du coup dans Survival Game et vous avez cette ligne là. Donc print self machin machin quoi. Donc avec le code mode et tout ça, donc là il est activé. Enfin là il est activé. Donc pour l'activer, vous de base, il y aura une suite de caractères. Donc je vous mets en montage la suite de caractères, voilà, donc vous l'avez. Et vous remplacez par true, voilà, vous laissez if et then comme ça. Vous mettez juste true entre les deux, ce qui veut dire activer si vous parlez pas très bien anglais. Donc vous faites ça. Et ensuite, quand vous avez fait ça, vous touchez à rien. Mais vous faites enregistrer, voilà, donc juste CTRL S, comme ça va enregistrer ce fichier que vous avez modifié. Et si c'est ça, si vous faites ça dans le jeu, il faut relancer votre jeu. Si ça marche pas, vous relancez bien votre jeu, ou s'il n'était pas lancé, bah vous le lancez, voilà. Et après vous fermez ça une fois que c'est enregistré, voilà. Je vais lancer une nouvelle game pour vous montrer. Ouais, on va lancer une nouvelle game. Hein. J'ai mal écrit, mais c'est pas grave. Voilà, comme ça, je vais vous montrer que ça marche bien dès qu'on lance une nouvelle game. Voilà, donc là je suis dans la game, il faut juste que je trouve une warehouse dans la partie. Et même, donc là, vous avez du coup la liste des commandes, vous pouvez voir comme ça, vous pouvez prendre des commandes que vous connaissez pas ou voilà, que vous voulez faire. Et la commande, du coup, c'est celle-ci, slash decrypt, que vous allez faire dans votre jeu. Et c'est écrit que ça restreint du coup. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans les warehouses. Sauf que j'ai remarqué que c'était pas que dans les warehouses. Et par exemple, les trucs, les stations de compactage de fruits avec les caisses. Et bah, ça aussi, on peut les casser. Je pense qu'on peut aussi casser le vaisseau. Du coup, on va essayer. On va être slash décrypte comme commande. C'est vraiment pas compliqué. Alors, vous ouvrez votre chat. Moi, c'est la touche 3, mais je vais changer. Décrypte. C'est D E C R Y P T, voilà, et là c'est écrit unrestricted, donc là on peut tout faire. Donc là on va récupérer ça logiquement. Là, ça, si c'est des blocs, vu que c'est pas des blocs, on peut pas la récupérer. Si on va quelque part dans le vaisseau, quelque part où il y a des blocs, voilà, vous pouvez tout casser. C'est pas que dans les warehouse, c'est vraiment partout. Alors que si c'est slash encrypt, donc de base. Voilà, je peux rien récupérer, rien du tout. Alors que là, si je remets, là j'appuie en des crypt. Ah non, ça, j'ai mal écrit. Voilà, et là, je peux récupérer donc les trucs ici, voilà, tout. Voilà, je peux tout récupérer. Même ces blocs-là, enfin, voilà, tout est récupérable ici. Et donc je vais aller à une warehouse pour vous montrer, parce que ça va, sinon vous avez pas un exemple. Juste que je trouve une warehouse quelque part. Donc, du coup je vous fais une coupure, à tout de suite. Là, je suis juste en train de construire un véhicule du coup pour aller voir les warehouses. C'est juste un mini véhicule de merde, hein. Ne vous inquiétez pas. Et du coup on se retrouve là quand on sera à la warehouse, mais pour cette fois-ci vraiment quoi. Ah oui, donc je vous parlais aussi de ça du coup. Ça, tout ça on peut casser aussi bien sûr.
c'est pas juste la warehouse et tout. Enfin, voilà, on peut tout casser. Hein, ouais. Il y a plus de trucs. Pourtant, c'est bizarre, j'ai pas de connexion. Bon les gars, c'est bon, j'ai enfin trouvé une warehouse. J'ai un petit peu galéré, mais en soi, il suffisait juste de chercher un petit peu. Donc là, du coup, normalement, je suis en god mode quand même. On va se mettre. Donc, pour désactiver le god mode, je vais vous montrer après, mais là, j'ai pas envie de mourir. Est-ce que je suis en god mode? Ouais. Je suis bien en god mode, du coup, là. Donc, toi... Voilà. Donc là, on va aller buter le boss et les autres mobs, d'ailleurs, parce que oui, il y en a des mobs. D'ailleurs, ça fait... C'est vraiment énorme, les warehouse. D'ailleurs, si vous allez à l'intérieur, enfin, je pense qu'il y aura rien. C'est parce qu'en fait, c'est comme si vous rentrez dans le Nether dans Minecraft. Dès que vous rentrez dans une warehouse, c'est comme si c'était un autre monde, en fait. Parce que je suis en gold mode. Bon, voilà, on va buter les boss. Les bots. Je vais buter le boss, comme ça, bon. J'aurai une clé, au moins. Enfin, il me faut une clé pour rentrer. Donc... Je suis pas prêt à buter le boss. Ah bah il est là-bas. Voilà, mon boss est mort. Ça, on va récupérer la clé. Voilà. Attendez. Là, ici. Par contre, j'ai juste prendre un petit peu de patate avec moi. Du coup, on va aller mettre la clé dans l'ascenseur. Donc, je sais pas trop où il est l'ascenseur. Je crois qu'il est là-bas. Il est pas ici. Ok, donc l'ascenseur est juste là. On va buter les tabbots, voilà. Ça au moins ils nous font plus chier. Hop, on insère la clé. Qu'est-ce que tu veux toi, hein? Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Voilà, et vous pouvez même casser l'ascenseur, je vous montrerai après parce que là j'ai pas envie de niquer l'ascenseur. Parce que là vous pouvez vraiment tout casser, en plus il y a des connexions sur l'ascenseur. Donc, vous allez voir que c'est pas vraiment. C'est pas vraiment ça qui monte en fait, vous allez voir. Et là on arrive du coup dans la warehouse. Et comme vous le voyez, bah, on peut tout faire. Hein. Je vais juste me mettre en. Pas illimité slash limited vous êtes comment c'est pour avoir donc là j'ai mon inventaire voilà vous voyez bon, ça c'est tout à l'heure c'est tous les mêmes bizarre bon et là du coup vous pouvez vraiment tout récupérer si vous voulez voilà vous récupérez tous les blocs de la warehouse ça c'est bien une nouvelle partie hein. Là il y a des sans y avoir des méchants. Ouais. Oui, tu vois de loin. Hein. Donc là, il y a vraiment plein de blocs. Vous pouvez vous faire plaisir. En plus, c'est une warehouse à 4 étages. Donc celle-là, bah, vous avez voilà des concrete blocs. Enfin, vous pouvez vraiment tout de A à Z récupérer. Et ce qu'il y a, surtout dans cette avant, enfin après, c'est vrai que votre survie elle est cheat, mais ça, après, c'est pas très grave. Hein. C'est vous qui voyez. Mais aussi, regardez ce qu'il y a comme blocs. Les triangles, les amis. Il y a les triangles en survival. Voilà comment les avoir. Voilà. Vous pouvez avoir. Par contre, j'ai des énormes lags en même temps, ça doit être à cause de ça. Voilà, il y a pas mal de méchants et tout ça. J'aurais dû prendre mon marteau. Où mon marteau? Ah, c'est incroyable ça, je trouve plus mon marteau. Par contre, là, ce genre-là. Voilà, bon, ça on peut peut-être. Voilà, on peut même récupérer ça, voilà.
Comme ça vous pouvez récupérer plein de blocs qu'on connaît pas forcément parce que bah ça c'est quoi ça, un serpillon. Okay. Voilà des blocs et là l'ascenseur, je vais vous montrer. Faut même casser l'ascenseur, ça c'est cassable ou pas? Ah, ok, c'est fait en bloc. Ah voilà, ah mais tu peux arrêter de me faire laguer s'il te plaît toi. Arrête pas de me faire lag l'autre. Ah mais arrête. Oui, je vais le goumer. Attends. Laisse-moi prendre des patates. Voilà. Arrête de me faire laguer, oui. Donc là, je vais vous montrer qu'on peut buter, casser les ascenseurs. Je vais pas casser le premier sur... Ah oui, les rampes aussi, on peut. Enfin, vraiment, on peut tout faire, c'est génial. Sauf si vous trouvez que... C'est incroyable le lag que j'ai quand tu tires dessus. Je suis en god mode, c'est pour ça, je pense. Ah, ça même. Ah, ok, c'est fait en bloc. Ça. Ah, ouais, ok. Là aussi, on peut voir toutes les connexions. Tiens, il y a un moteur. Pourquoi c'est relié à un moteur alors que ça sert à rien? On est d'accord que ça sert à rien. Ok, donc l'ascenseur, il est où? Il est en bas. L'ascenseur. Vous pouvez vraiment vous amuser et faire ce que vous voulez. Une fois que vous avez fait cette manipulation. L'ascenseur, il est... Ah, mais je retrouve même pas mon chemin. L'ascenseur, il était par là. Voilà, il est là. Donc là, vous pouvez le casser. Là, il y a juste... tiens, c'est des portes end, de ça. Parce que je vais regarder si c'est des portes end. Et donc, ici, là, voilà. Donc, ces blocs-là. Oups. Là, du coup, ces blocs-là, ils sont invincibles. Vous allez me dire, quoi, mais c'est les mêmes. Non, en fait... Voilà, ils sont totalement invincibles, ces blocs. On les voit pas. Slash... Voilà, donc là ces blocs là sont totalement invincibles. Voilà, donc si vous voulez une survie hyper cheatée, bah vous allez ici, vous cassez, vous butez l'ascenseur. Voilà, vous cassez tout l'ascenseur. Vous pouvez même casser le bas. Bon, je sais pas ce que ça va donner. Marche plus, chef. Voilà, il n'y a rien qui marche. Il n'y avait plus rien qui marche, du coup j'ai tout cassé. Mais tiens, c'est un bouton. Ça. Ah ouais. Durabilité 100%. De toute façon, il y a toute durabilité 100% ici. Vous avez ça. Vous pouvez vraiment tout casser. Et là, c'est le vide. Je sais pas ce que c'est. What? Qu'est-ce que what? Je crois que je suis pas censé aller là. Bah, je pense que ma game est foutue. Hein. Je vois juste le petit truc noir là où c'est ça. Et je tombe dans le vide intersidéral. Ok. Les amis, il n'y a plus rien du tout. Je sais pas ce qui se passe, j'arrête pas de tomber. C'est normal parce que je suis censé être ici. Vous avez dit que c'était un autre monde, genre, que c'était pas vraiment le vrai monde en fait. C'est totalement chelou ici. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Vous connaissez. Il y a mon Instagram, mon Twitter dans la description. Du coup, il y a aussi mon Discord si vous voulez discuter avec moi et être au courant des prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine. A plus, prenez vos livres. Ciao. Aidez-moi, SVP. Je suis bloqué.